Voilà, et maintenant se pose la question de savoir comment on va monter la lumière sur votre visage. Alors, vous devez observer que normalement, si vous avez respecté la transparence de vos flaques, vous voyez encore normalement totalement votre dessin. Et donc, ici, il va falloir monter la lumière. Pour ce faire, nous allons travailler avec une technique de flaque, mais qui aura une particularité, c'est que avant de mettre la flaque, on va d'abord déposer une goutte d'eau pure. Alors, il faut d'abord faire le premier mélange. Le premier mélange, c'est celui qu'on appelle base d'éclairage. C'est essentiellement de l'orange, dans lequel vous pouvez mettre un petit peu d'ocre jaune. Mais donc, ça doit être quand même une teinte orangée plutôt assez claire. Vous pourriez éventuellement mettre un petit peu de blanc dans ce mélange, mais par sécurité au début, il vaut peut-être mieux ne pas le faire, pas le mettre. Voilà, ici vous avez un bon exemple de cet orange terne, hein. Et sur l'autre, vous allez faire le mélange final, c'est-à-dire qui va être beaucoup plus blanc cassé. Et là, vous allez vraiment pouvoir mettre du blanc qui s'ajoute donc au jaune. Et là, vous auriez le mélange final d'éclairage. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop vif. Et donc, tout l'objet du travail, c'est de passer de l'un à l'autre. Et pour passer de l'un à l'autre, le plus simple, c'est de faire des petits intermédiaires. C'est-à-dire, vous commencez par le premier petit godet, vous mettez la base d'éclairage, et puis vous mettrez un tout petit peu d'éclairage dedans, d'éclairage final. Et comme ça, progressivement, vous allez passer de l'un à l'autre. Alors, avant donc de mettre votre flaque orange terne, qui est la base de l'éclairage, vous allez d'abord déposer une petite flaque d'eau pure. Donc vous prenez un pinceau, vous ne prenez que de l'eau, et vous déposez à l'endroit que vous voulez éclairer, simplement de l'eau claire. Quand vous avez fait ça, après vous prenez votre mélange et vous venez toucher le sommet de la goutte d'eau sans toucher le fond et vous appliquez comme ça votre mélange. Voilà, comme ça. C'est ce qu'on appelle une technique de petit lac. C'est-à-dire qu'on met d'abord de l'eau avant de déposer le pigment.